Salut les amis, c'est Jojol. Très content de vous retrouver dans cette vidéo. Pourquoi ? Pour vous déballer les nouveaux iPhones, l'iPhone XS. Et avec les trois couleurs, s'il vous plaît, blanc, noir et gold. Gold qui est d'ailleurs une très grosse nouveauté sur ce nouvel iPhone. Alors je pense que je vais décevoir certains d'entre vous. Non, je n'en ai pas acheté 50. On va pas se le cacher, 50 ça fait un petit peu trop. J'en ai pris 3, comme ça vous avez la possibilité de voir les couleurs. Comme ça si vous hésitez entre telle ou telle couleur, du coup vous pouvez le voir en vidéo. Et aussi, jolie surprise, j'organise un joli concours où vous avez la possibilité de gagner l'iPhone XS de votre choix, n'importe quelle couleur. Et encore le truc encore plus stylé, si la version XS ne vous convient pas et que vous voulez la plus grande taille, la version max, eh bien il n'y a pas de souci, vous choisissez entre le XS et le XS. Je vais y arriver avec les noms là, putain. Du coup, vous avez le choix au niveau du concours, soit de choisir le XS ou le XS Max avec couleur au choix. Pour participer au concours, ça se passe sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur mon Twitter. Il y aura tous les liens dans la description. Et vous augmentez vos chances de participation si vous participez sur les trois réseaux sociaux. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce joli concours est organisé avec aussi la marque RhinoShield qui propose des bonnes protections pour vos smartphones. On a envoyé une bonne tonne, donc du coup, on les remercie. Très important, là, on est dans une vidéo unboxing. Il y aura bien sûr une vidéo de test, des vidéos avis qui vont sortir prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose de très simple à la Apple. Le seul truc qui change par rapport à chaque couleur, c'est notamment la face avant et également la couleur des logos. Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est on déballe lequel en premier ? Alexandre, je te laisse le choix. Sur le gris, ok, on commence avec le gris. La petite languette qu'on enlève. Ça, c'est toujours les moments assez sympathiques quand on fait le déballage. Bon, on n'a pas le téléphone en premier, on a le droit à une pochette. Super ! Donc une pochette avec quoi à l'intérieur ? Alors, avec tout ce qui touche aux notices, la petite épingle pour enlever le tiroir NanoSIM et comme d'habitude, les deux autocollants Apple. Ensuite, le smartphone. Donc il est bien protégé avec cet écran de protection. Donc là vous êtes sûr d'avoir aucune rayure. Et là c'est à ce moment-là que tu te dis, d'ici 2-3 jours tu le retrouveras pas avec cet état. Tu sais. Il est tellement propre comme ça, quand tu le déballes la première fois, il brille de partout. Il est vraiment magnifique. Par contre, voilà, là j'ai l'iPhone X. Donc également la même couleur, couleur argent. Et est-ce qu'il y a une différence de couleur ? Bon, le mien, il est un petit peu sale. Ça fait quand même un an que je l'utilise. On va dire que la couleur, c'est pareil. Hein. Il n'y a rien qui change. Au niveau du contour également. Ah, peut-être, ouais, si. Il y a une petite différence au niveau du haut de l'iPhone XS. Il y a une barre d'antenne qui se situe en haut et qu'on n'a pas sur la version 10. Ah aussi, autre différence, c'est au niveau du bas. Déjà, on a également un trait d'antenne, je pense, qui est présent. Et également, on n'a plus de symétrie par rapport aux trous. Par exemple, sur le côté gauche, on a 3 trous et à droite, on a 6 trous. Par contre, pour ceux qui se posent la question, le port Lightning est toujours centré. Bon, on va poser le téléphone de côté. Ça fait beaucoup d'iPhone, on va pas se le cacher. Au niveau des accessoires, on a le droit aux écouteurs, les AirPods. Avec port Lightning et la petite télécommande. Le câble Lightning vers USB. Encore dommage qu'on n'a pas un format USB type C. Et ensuite, le chargeur secteur pour recharger son smartphone. Le chargeur secteur qui propose pas malheureusement la recharge rapide, alors que de base, on peut l'avoir sur le smartphone. Il faudra acheter un adaptateur supplémentaire pour pouvoir en profiter. Par contre, un des trucs vraiment très étranges par rapport notamment aux anciens iPhones, c'est qu'on n'a pas l'adaptateur Lightning vers prise mini jack. Ça veut dire que les personnes qui ont des casques filaires ou des écouteurs filaires et qui veulent les utiliser sur leur iPhone XS, iPhone XS Max, soit il faudra acheter un nouveau produit, soit acheter un adaptateur supplémentaire. Vu le prix de l'appareil, c'est quand même vraiment dommage qu'Apple fasse ça. Voilà donc du coup au niveau des accessoires, je vous propose qu'on déballe maintenant les autres couleurs. Là tu veux quelle couleur, Alexandre ? Tu veux terminer par le meilleur ? Ouais. Enfin, normalement, ok. Donc du coup, on va passer à la couleur noire. Ça fait bizarre quand même de déballer autant d'iPhone dans une vidéo, je trouve. On a la pochette, ensuite le téléphone. Du coup là, en version noire. Au niveau de la couleur, bon là, j'ai pas la version noire avec moi de l'iPhone X. Ah ouais, tu l'as ? Ok ! Donc là, Alexandre, il a l'iPhone 8 couleur noire. Voilà, c'est le même noir.
ça m'a l'air d'être le même noir. Après, voilà, il est tout neuf, donc du coup, l'autre, il est un petit peu, un peu plus sale. Mais à première vue, c'est la même chose. Bon, alors à première vue, couleur noire, pareil que l'iPhone X. Et on finit avec la nouvelle couleur. Et là, la version gold. C'est la première fois que je vois la version gold sur ce nouvel iPhone. Ah, il a de la gueule, hein. C'est propre. Franchement, c'est propre. C'est un gold légèrement, vraiment très très léger, rosé. Et le contour, je dirais que c'est un mixte de l'argent et du noir. Ni trop foncé, ni trop clair. Et légèrement doré à première vue. Donc là, on a du coup les trois couleurs. Voilà. Je pense que je vais en faire des belles photos pour Instagram. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre les trois, parce que ça permet de faire des jolies prises. Donc du coup, quelle est la couleur que vous préférez? Noir, argent ou gold? Lâchez un commentaire. Bon, après vous avoir déballé ces nouveaux iPhones, on va passer à la configuration. On nous dit bonjour, ça c'est un message assez sympathique. Donc là on va déverrouiller l'appareil, donc du coup bim, français. Comme vous pouvez le voir au niveau de l'écran, c'est pareil que l'iPhone X, hein, il n'y a aucun changement. Même les bords c'est pas plus fin. On va faire la configuration manuellement, donc là il y a une activation qui se fait au niveau de l'iPhone. Et en fait la grosse différence par rapport à avant, c'est qu'il fallait une carte SIM pour pouvoir le déverrouiller. Là, ce n'est plus le cas. Je pense que c'est également une nouveauté pour tous les autres iPhones sous iOS 12. Face ID, est-ce qu'on va le configurer? Ben ouais, vas-y, on va le configurer. Normalement, il est plus rapide qu'avant. On verra ça dans une future vidéo. Donc là, on démarre. On tourne le visage. Et la première analyse est terminée. Parfait. On recommence. Deuxième analyse faite. OK. On continue, donc là la sécurité est mise en place. Là on va mettre un code supplémentaire, je vais mettre un code super secure. Bien sûr, ne faites pas ça. Hein. Là on va le configurer comme un nouvel iPhone, mais après si vous avez une sauvegarde sur iCloud ou sur iTunes, ou encore si vous voulez restaurer des données de votre téléphone Android sur le nouvel iPhone, bah, vous pouvez le faire. Nous ça sera comme un nouvel iPhone. Donc là on nous demande de nous identifier, mais on peut le faire plus tard, je vais le faire plus tard. Bien sûr, il vous faut absolument un compte Apple pour pouvoir télécharger plein d'applications, accéder à certaines fonctionnalités intéressantes sur votre nouvel iPhone. On accepte ensuite les conditions générales. Donc là, on nous demande si on veut mettre automatiquement les mises à jour ou soit manuellement. Moi, je vais demander manuellement. On peut configurer iMessage et FaceTime. On fera ça plus tard. La localisation, je désactive. On va pouvoir configurer Siri. Donc, c'est ce qu'on va faire. Dis Siri. Quel temps fait-il aujourd'hui? Dis Siri, c'est moi. A few moments later. Voilà, dis Siri est prêt. Super. Continuez. Temps d'écran. Donc ça, c'est une des nouveautés au niveau d'iOS 12 où on aura la possibilité d'avoir des informations, des détails sur justement notre façon d'utiliser notre smartphone. Combien de temps on passe sur telle application, etc. etc. Et pour finir, est-ce qu'on accepte d'envoyer des informations chez Apple? Moi, je ne souhaite pas. Affichage True Tone. Alors, True Tone, c'est quoi? L'écran va s'adapter par rapport à votre environnement en vous proposant l'affichage le plus adapté. Allez à l'accueil, balayez l'écran de bas en haut à tout moment pour accéder à l'accueil. Donc ça, c'est comme l'iPhone X, mais du coup, pour les personnes qui ont jamais eu d'iPhone X, bah, c'est toujours sympa d'avoir ces petites informations pour savoir comment on utilise le bouton Home virtuel qui fait office du coup de bouton aussi multitâche. En gros, pour faire simple, bim, je rentre dans une application, j'ai envie d'acquitter, je fais un slide comme ceci. Pour afficher le Control Center, bim, on fait le petit slide comme ceci. Et pour afficher le multitâche, on balaye comme ça, on laisse un petit peu son doigt vers le milieu et le tour est joué. Et pour quitter une application, il suffit tout simplement de prendre l'application et de glisser vers le haut. Voilà, donc votre nouvel iPhone est configuré, vous allez pouvoir télécharger plein d'applications. Et justement, c'est un petit peu le moment assez relou parce que ça prend quand même pas mal de temps, on va pas se cacher. Et bien écoutez les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Je vous rappelle qu'il y a un joli concours, donc n'hésitez pas à y participer. Tous les liens sont dans la description. Et j'en profite aussi dans cette vidéo pour faire une publicité assez sympathique pour un abonné. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois sur l'application Hipster, qui est tout simplement un réseau social qui a été créé par un abonné. Et il a du coup participé à un concours
qui lui permettrait d'avoir une aide financière pour pouvoir lancer son projet proprement, correctement. Il a atteint la première étape grâce à vous. Et là maintenant, la deuxième étape, c'est un petit peu plus de téléchargement. Donc je vous invite fortement à télécharger son application. Il y aura toutes les informations dans la description. Et la version Android est enfin disponible. Voilà, j'ai pas été payé pour en parler. Ça me fait plaisir, c'est un abonné. Si j'ai la possibilité d'aider, je le fais. Voilà, donc je vais vous laisser parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos qui vont sortir sur l'iPhone XS. Et l'iPhone XS Max. N'oubliez pas encore de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !